Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux. Ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde, voir écouter les choses que je vais raconter sur Django Reinhardt. Et avant toute chose, je vais vous présenter les collègues qui sont avec moi. Alors, il y a Pierre-Luc Martin à la guitare, s'il vous plaît, rythmique. Guillaume Robert à la contrebasse. Et M. Benoît Josse au violon. Je tiens à remercier les gens qui nous accueillent ici à Strinan-Marie pour cette conférence au Champ Libre. Alors voilà, on va parler de Django. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Django, on ne s'ennuyait pas. C'est un homme apparemment haut en couleur, qui n'a pas arrêté de voyager. C'est aussi un personnage donc fantasque jusqu'à ses choix vestimentaires, enfin, notamment. Il pouvait arriver dans un concert avec un costume sombre et des chaussettes rouges. J'ai pas mis de chaussettes. Et donc, on peut dire que l'homme était fantasque. C'était quelqu'un
de caractère imprévisible. Et donc, tous les critiques et journalistes qui l'ont approché ont multiplié les anecdotes à ce sujet. Ils ont apporté notamment ses brusques disparitions, plusieurs semaines parfois, ses retards, son goût pour les grosses cylindrées, son hospitalité sans limite pour ses cousins, Manouche, son amour immodéré des jeux de hasard, voilà, sa passion pour le billard et la pêche. Voilà, c'est un homme complet. Il y en a qui rajoutent que voilà, son insouciance était due finalement à son origine ethnique, que nenni, évidemment, c'est pas du tout ces propos-là. On va dire que John Granat vivait au présent et aimait bien la vie en général et respectait beaucoup en fait avant tout la musique. Voilà, pour lui c'était la musique et on verra que plus tard aussi d'autres arts l'ont attiré. Quand il est en train de jouer avec un chat, il mange, une anecdote comme ça, il est en train de manger de sa main droite, parce qu'il est handicapé de la main gauche, on en parlera. Et ben voilà, il a passé une heure à flatter le chat, et il a arrêté de manger. Voilà quelques anecdotes comme ça de M. Django Reinhardt. Et Alain Antonietto, qui a écrit beaucoup de choses sur Django Reinhardt, notamment, dit de lui que c'était donc apparemment un personnage attachant, cosmique, et complexe, donc, à la fois d'une personnalité conquérante et vulnérable, violente, fragile, voilà, voire pour certains naïve, par rapport à son œuvre, on aurait pu la voir naïve, ou à l'inverse, troublante et pleine de zones d'ombre mystérieuse. Voilà, ça c'est un bouquin d'Antonietto. Voilà, c'est la photo de Django quand il était un peu plus jeune. Voilà, si on reprend au début, en fait, M. Django Reinhardt est né le 23 janvier 1910 à Liberchy de Jean-Baptiste Weiss, musicien, artiste ambulant, et de Laurence Reinhardt. Alors, ils ont pas mal voyagé, notamment en Corse, jusqu'en Italie, et puis en Algérie. Donc, ces troupes ambulantes. Et Django a commencé le violon en 1914-1915, lors de ce déplacement dans le sud. En 1918, en fait, il revient en France. Et en 1922, tout de suite, on va faire assez vite, hein, il a son banjo, parce qu'à l'époque, les guitares, c'était pas vraiment à la mode, et c'était plutôt le banjo guitare, à six cordes, comme une guitare, mais quelque chose qui est un peu plus sonore. Donc il a son premier banjo et il joue beaucoup avec son frère, Joseph Reinhardt, qui l'accompagne toujours. Nous sommes donc au milieu des années 20 et c'est l'époque du musette. Et l'époque du musette, bon, c'est l'accordéon, ce sont les Auvergnats notamment. À Saint-Mandé, le bal des Auvergnats avec Guérino, accordéoniste, Maurice Alexander et Jean Vessade. Et Django donc, parcourt ces bals pour jouer du banjo. Et il défie la chronique, il commence à se faire connaître parce que c'est quelqu'un qui dépasse, si vous voulez, les limites des mélodies de l'accordéon à l'époque. Le jazz n'existe pas vraiment. Enfin. Et c'est des ritournelles comme ça qui sont toujours voilà, des balles un peu mal famées. Sa maman vient le chercher à la sortie des balles pour pas qu'il dilapide son cachet parce qu'il commence à gagner de l'argent. Et il a 16 ans, hein. Et 1918, il a 18 ans, il commence à traîner un petit peu. Mais il rentre souvent donc à la porte de Choisy où est installée sa verdine avec sa maman. Et donc on est au milieu des années 20, sa notoriété grimpe. Il écoute notamment le jazz de Billy Arnold. Alors vous allez me dire c'est qui, tout ça, on va pas. Voilà, c'est Billy Arnold. C'est le début du jazz, on va dire. Il y a les batteries qui commencent à arriver, vous voyez, un petit peu 1920. Et puis, bon, on ne va pas parler de jazz, parce que sinon on y est jusqu'à un petit moment, mais un jour, Jackie Hilton, qui était un chef d'orchestre anglais, est venu à Paris chercher un banjo-guitare. C'est pour vous raconter un peu une autre anecdote de Django, pour vous dire qu'il aimait tant le présent. Et Jackie Hilton lui dit « Mais bon, voilà, moi je cherche quelqu'un qui sait jouer du banjo et de la guitare. Je suis venu vous écouter hier, mais vous n'étiez pas là. »
Bah oui, Django lui répond, bah oui, mais moi je joue quand ça me plaît. Enfin, en plus, il disait ça, je joue quand ça me plaît. Il était assez monotonique comme garçon, apparemment. Et on verra pourquoi, peut-être. Et donc, voilà, c'est pour dire que le personnage, en fait, était quand même assez original. Alors bon, il jouait pas non plus tout le temps parce que le répertoire, c'était pas non plus ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait, c'était quoi? C'était une autre musique, quelque chose. Il cherchait quelque chose. Je pense qu'il savait pas que ça s'appelait le jazz. Enfin, si, peut-être. Alors pourquoi pas cette nouvelle musique? Et puis il se dit, bon, ok, je pars avec Jackie Hilton en Angleterre, ça marche. Et puis il part annoncer la bonne nouvelle dans son camp, là, choisi, à Virginie, il rentre tard. Et voilà, on en parle après, on va vous interpréter un autre morceau qui s'appelle When Day's Done, parce que même si on est un peu plus tard, là on n'est pas en 1920, d'après Patrick Williams, qui est un autre écrivain qui a beaucoup écrit sur Django, je vous donnerai les références tout à l'heure, qui a écrit un chouette bouquin. Voilà, en fait, pour vous décortiquer un petit peu le morceau, When Day's Done, qui est un morceau pas très connu à l'époque d'ailleurs, et qui est plutôt un prétexte, qui à chaque fois finalement, les thèmes sont des prétextes, parce que ce qui compte dans le jazz finalement, c'est l'improvisation. Oui, le moment présent. Et donc vous êtes responsable, hein, si... ça se passe mal, vous êtes... Donc tout ça, en fait, il décortique en fait, le morceau en expliquant que Django s'accapare carrément la mélodie. Parce qu'il faut savoir que les... non pas simplement Django, mais toute sa communauté, en fait, va dans un endroit et s'accapare les mélodies et en font leur mélodie. Voilà. Et ce morceau-là, When Day's Done, est en trois parties. Et cette première partie, en fait, où il y a une intro de guitare, voilà, qui n'est plus ni moins en fait, qui n'a rien à voir avec le morceau, mais quoique, c'est une appropriation en fait du morceau par Django. C'est une mélodie apparemment qui viendrait du folklore tzigane. Il ne faut pas oublier que les manouches étaient tziganes, et qui s'appelle Madonna. Deuxième partie, il y a le thème qui est exposé. Alors le thème, je n'ai jamais écouté en fait le vrai thème. Il y a tellement de versions que c'est jamais la même chose. C'est ça aussi de ce Django. Ce n'est jamais la même chose. Jamais. Il a enregistré plusieurs morceaux. Le thème, c'est jamais le même, évidemment. Le présent. Et en troisième partie, le tempo double, et là, le violon rentre. Voilà. Donc, cette appropriation, on va essayer de vous la retranscrire avec When Day's Done et mes collègues et amis musiciens. Thank you.
Merci. Ça va ? Merci beaucoup. Donc on se retrouve en fait à ce moment-là, du 2 novembre 1928, et là il y a un drame énorme. Il rentre chez lui pour annoncer la bonne nouvelle, et quand il rentre chez lui, sa femme Bella, à l'époque, Bella Baumgartner, est réveillée, et donc pour accueillir Django, elle allume une bougie, et la bougie tombe sur des fleurs celluloïdes, qui à l'époque faisait ça, Bella, pour emmener au cimetière d'ailleurs. Et ça prend très vite feu, et elle arrive à sortir très vite, et Django reste dans la caravane, à moitié asphyxié. Résultat, il en ressort à moitié brûlé, et donc il passe un an et demi à l'hôpital. Un an et demi. Il a la jambe gauche complètement brûlée, et la main gauche, la jambe droite, pardon, et la jambe gauche complètement, en partie brûlée. Donc voilà, il passe un an et demi de sa vie, un an et demi à l'hôpital. Donc là, il dit adieu à la musique, j'imagine, dans sa tête. Il a subi plusieurs opérations, notamment pour la jambe. Enfin, ce qui l'inquiète aussi beaucoup, c'est la main. La jambe, il a eu 16 opérations, je crois, on voulait l'amputer. Finalement, il s'en sort. Et pendant cette convalescence à l'hôpital, son frère lui amène une guitare. Tiens, mon frère. Et il apprend la guitare à deux doigts. Voilà. Ça, c'est Django. On voit un peu sa main gauche et on aperçoit qu'il joue la guitare à deux doigts. Ce qui est terrible, c'est qu'il va devenir le meilleur guitariste au monde avec cette nouvelle technique à deux doigts. On ne va pas vous faire de démonstration, hein, c'est pas à propos. C'est possible, je connais des guitaristes qui jouent dans cette manière. Voilà, bon, là on voit bien cette main atrophiée. 1930, il sort de l'hôpital, donc voilà, c'est énorme quand même. Il sort de l'hôpital en 1931 et avec sa nouvelle compagne Sophie Ziegler, Dina Guin. Il part dans le sud de la France, nous sommes en 1931. Et là, à Toulon, il fait la connaissance d'Émile Savitry, qui est un peintre. Il fait connaissance d'Émile Savitry, un peintre qui lui fait écouter des disques. Il lui fait écouter du jazz, il lui fait écouter Armstrong, il lui fait écouter Duke Ellington. Achevons une mon frère. Ça, c'est l'expression qu'il a dit quand il a écouté ça. Il s'est pris la main dans sa tête, sur les anecdotes, et là, c'est la révélation. Hein, c'est pour lui, c'est la musique qu'il veut faire, c'est le jazz. Voilà. 1932, retour à Paris, c'est l'époque Montparnasse. Et là, c'est l'éclosion de notre Django Reinhardt qu'on connaît, plus ou moins, de 1932 jusqu'à la guerre. Alors, je vais faire vite, encore une fois. Django arrive à Paris, c'est un manouche, hein, il vit. Et là, en fait, encore une fois, il va vivre le présent comme il vient, non pas au jour le jour, mais parce que c'est nécessaire. Et il va s'installer chez Émile Savitry, qui est peintre, et à Montparnasse. Et c'est un véritable campement. Tous ses cousins viennent, c'est l'époque où il côtoie la gent intellectuelle et tous ces gens, les artistes, les bohèmes aussi, qui viennent rencontrer Django, l'écouter, faire des solos et d'improviser toute la nuit. Tout le monde vient l'écouter, sa notoriété monte. Et donc, en fait, il est curieux de tout. Et donc, il voyage dans tout Paris avec sa guitare sous la main et il rencontre des musiciens, et notamment André Équian, ou encore Jean Sablon, le crooner Jean Sablon, qui grâce à lui en fait va le faire entrer dans le monde intellectuel et la jet set parisienne. Et malgré les lacunes profondes de son éducation, son aisance et sa distinction naturelle faisaient que Django n'était jamais déplacé en bonne compagnie, où il savait être mondain, galant parfois, souvent spirituel. Ça, c'est Charles Delaunay qui le dit. Charles Delaunay, c'était le producteur, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai, du Yacht Club de France, le quintet du Yacht Club de France avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Charles Delaunay qui
en fait, a écrit un bouquin aussi sur Django, mon frère, qui a été en 68, mais qu'on ne retrouve plus. Plein d'anecdotes. Et c'était vraiment l'ami, en fait, de Django Reinhardt. Il l'a suivi tout au long de sa vie, sauf la fin, où ils sont un peu brouillés, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Mais donc, voilà, ce garçon au teint basané, aux yeux noirs, qui savait si bien parler de sa guitare, ça, c'est une stinguette, ou Jean Cocteau, ce doux fauve. Voilà, il fera d'ailleurs un portrait de lui devenu célèbre. Alors ça, c'est Django, ça, c'est en 41, c'est au Bourget, je crois. Ouais. On en verra plus tard, son beau chapeau. Ça, c'est une photo de Cocteau, un dessin de Cocteau, qui sert d'ailleurs d'emblème pour un festival qui s'appelle le Festival Django Reinhardt. Donc voilà, Django vit sa vie chez les Gadget. Et en 1934, il fait son premier enregistrement. Donc il a rencontré aussi Grappelli, qui va le voir. Il va le voir dans des concerts. Et puis ils sont engagés notamment avec un accordoniste qui s'appelle Vola, dans le sud de la France. Et Vola est remonté à Paris et il a toujours son orchestre. Et là, il commence à improviser dans les coulisses et jouer avec Stéphane Grappelli. On va vous jouer un autre morceau. Et ça s'appelle Chicago, un standard américain. Il ne faut pas oublier que Django joue le jazz. Jazz. Thank you.
merci. Ça va? Alors, on reprend. En 1934, il enregistre son premier disque avec Grappelli, sous un nom qui s'appelle Delaunay's Jazz, donc le producteur. Avec Grappelli, Joseph Reinhardt, son frère, Roger Chaput, guitariste, mais aussi peintre, et Pierre Noury, qui était un membre éminent du Hot Club, une association qui recouvrait le jazz à Paris. À l'époque, en fait, Delaunay, en fait, il écrit aussi dans les revues de Jazzot, quelqu'un qui est bien assez important. Donc, avec tous ces gens, en fait, je me suis dit, bon, allez, on enregistre un disque avec Pierre Noury, producteur. Et puis, voilà, ils enregistrent 3-4 titres à So Star, Confessing, Star Jazz. Et puis, ils présentent ça à la firme Odéon. C'est refusé. Trop moderne. Trop moderne. Et puis, quelques mois après, en fait, ils refont encore un enregistrement. Alors, cette fois-ci, c'est avec un autre contrebassiste. Le premier, j'ai oublié, Juan Fernandez. Et là, je crois que c'est avec Vola, Louis Vola, qu'ils ont rencontré dans le Sud, qui était accordoniste à l'époque. Et là, qui est contrebassiste. Ils enregistrent un disque, et il y a notamment Dinah. On dit que c'est le premier enregistrement de Django Reinhardt. Effectivement, c'est marqué Django Reinhardt et l'autre Cop de France avec Stéphane Grappelli. D'ailleurs, à ce titre, il y a une autre anecdote qui est rigolote. Donc celui-là a été accepté, mais à cette époque-là, Django, d'ailleurs, avec ces gens qui l'habituent sa Vitry, je tenais à dire quand même qu'il essaie la peinture à ce moment-là encore. Ouais, il essaye la peinture. Bref, notre homme, en fait, joue du jazz, parce que le jazz se fait de plus en plus présent dans la capitale parisienne. Et notamment, en fait, il a un long engagement au Big Apple. Le Big Apple, c'est un cabaret tenu par Bricktop. Et Bricktop, c'est le surnom d'une noire américaine. Et oui, il y avait des noirs américains, c'est grâce à eux si le jazz est en France aussi, qu'ils étaient restés après la première Grande Guerre. Et donc, il y a un enregistrement pour la BBC, qui est réalisé en 1935, à CBS, en direct du Big Apple. Et donc, voilà, il y a un présentateur qui annonce Stéphane Grappelli au violon et le sensationnel guitariste Django Reinhardt, accompagné par deux autres guitaristes et une contrebasse. Alors, les autres musiciens, il faut le dire quand même, étaient Joseph Reinhardt, Gusty Mala. Alors, je ne vais pas parler de Gusty Mala. Gusty Mala, c'était un gitan qui a appris un peu la guitare à Django lorsqu'il jouait en fait dans les balles. C'était un gitan, c'était pas un manouche. Bon, on pourra en parler après. Et Louis Vola. Voilà. Puis le présentateur annonce en fait qu'ils allaient jouer Djangology, une composition de Stéphane Grappelli. Alors là, ça se passe mal. S'ajoute en plus à cela la malheureuse erreur du speaker américain qui annonce que Stéphane Grappelli est son hot four. Alors ça, c'est en même temps, il y a eu des disques qui ont été gravés après où c'était marqué Stéphane Grappelli son hot four. Donc il se trompe. Et peut-être que c'est intéressant pour lui de dire en américain. Et donc, à ce moment-là, Django a voulu quitter la scène, carrément. Voilà. Il a fallu bon nombre des trésors de diplomatie pour le convaincre qu'il s'agissait d'une erreur. Et notre homme est remonté sur scène pour jouer. Alors, Django, par rapport à ces anecdotes, on apprend aussi que quelquefois, il fallait aller le chercher parce qu'il n'était pas là, il arrivait en retard, toujours, souvent, en tous les cas. Parce qu'il vivait ce qu'il avait envie, jouer au billard, ou il n'avait pas envie de jouer. Mais alors, à chaque fois qu'il arrivait, c'était magistral, parce que les gens disaient, bon, ça va être quoi? Et puis dès qu'il prenait, il écoutait une première... Il avait l'oreille absolue, pratiquement. Dès qu'il écoutait quelque chose, un arrangement, il le reproduisait tout de suite, mais en mieux. Donc tout le monde était sous le charme de cet homme-là, qui... On lui pardonnait presque. Donc voilà, sa notoriété monte. Et on va vous faire... ces années de la congrégation, surtout en 37, où il enregistre avec beaucoup de jazzmen. À l'époque, il y a Coleman Hawkins, sax, Benny Carter, trompette, Alex Combell, clarinette, Eddie Souf, violoniste, black, Michel Warlop, violoniste français de l'étude classique, Michel Warlop, Stéphane Grappelli. Le quintet ne fait pas non plus encore, enfin, si, commence à être connu, mais c'est un groupe de studio. Et ce qu'ils l'ont fait connaître beaucoup, qui a fait connaître le groupe, c'est Minor Swing, 1937. Voilà.
On n'a pas le temps de parler des guitares. C'est des guitares de reproduction en fait d'époque des 1930-1940, faites par un luthier qui s'appelle Mario Macaferri et qui a voulu construire des guitares en plastique. Il est arrivé d'ailleurs. Mais il a d'abord fabriqué des guitares en bois. Ce sont des répliques de ces guitares-là. Donc c'est fabriqué par la firme Selmer, comme les saxophones. Et ces guitares ont été faites pour remplacer le banjo notamment, parce qu'elles sont assez puissantes, d'une lutherie impeccable pour diffuser en fait, au niveau du son. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, pas encore. 1939, c'est la déclaration de la guerre. Et en tournée, en fait, avec Grappelli à Londres, Django, c'est la déclaration de guerre, il rentre à Paris, il oublie la guitare, il oublie tout, il rentre vite. Par contre, Grappelli, lui, reste à Londres et ils ne se verront plus pendant 7 ans. Alors voilà, il rentre à Paris. Et l'arrivée des Allemands provoque l'exode. Django et sa femme partent vers le sud. Et puis tout nous rentre dans l'ordre, comme dit Charles Delaunay. Alors, les jeunes veulent s'amuser, on s'organise, on se réunit chez soi, il n'est pas question de fréquenter les cabarets réquisitionnés par la Wehrmacht à l'époque, et les films américains interdits. Alors ce besoin de distraction, toujours de Delaunay qui dit ça, c'est le point de départ d'un engouement soudain pour le jazz. Et du jour au lendemain, des disques de jazz se vendent par milliers, notamment Miller Swing, il y a eu 10 000 cires de fêtes pour... À cette occasion, c'est vendu. Et pendant l'occupation, swing, c'est ce mot magique. Il faut être swing. À l'époque, c'est très important. Voilà. Et on l'est toujours, hein, j'espère. Et c'est l'époque des azous. Voilà, peut-être que vous avez entendu ce mot. Donc pendant l'occupation, Django devient populaire, très populaire, avec son nouveau quintet. Il se dit, oh, on va changer. On ne va pas prendre un violoniste comme Warlop, ça ne va pas. Warlop, c'était quelqu'un qui ne lui convenait pas. Ni Eddie Souf, qui était d'ailleurs, je ne sais plus s'il était à Paris, mais Warlop avait quelque part. N'était pas dans le jazz, était plus dans, l'interprétation personnelle du violon. N'est-ce pas, mon cher Benoît? Et donc, Grappelli correspondait. Donc, il s'est dit non, on ne va pas prendre de violoniste, on va changer, je vais prendre une clarinette. Et puis on va prendre un batteur, j'en ai marre de jouer avec 2 guitares, alors qu'au début il voulait 2 guitares, parce que Grappelli jouait avec 2 guitares. Et tu comprends, mon frère, tu joues avec 2 guitares, moi aussi je veux 2 guitares. Et puis là il se dit, non, j'en ai marre, ça fait trop locomotive. Alors il va prendre qu'une seule guitare, une batterie et une clarinette. Donc c'est l'époque en fait du nouveau quintet Hot Club de France, Django Reinhardt et son quintet, avec Hubert Rostin à la clarinette. Ah ouais, voilà. Hop. Voilà, on va vous interpréter encore un nouveau morceau et qui a été fait en 1941. D'ailleurs, il s'appelle Dinette. Et en fait, il écrit ce morceau-là. Il s'appelle Dinette, donc la Dinette. C'est fait sur les harmonies d'un autre morceau qui s'appelle Dinah, qui était le premier morceau qu'ils ont enregistré ensemble avec Grappelli. Et pourquoi, en fait, Dinette? Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas trop parler américain, voire pas du tout. Donc, c'est un pied de nez un peu à tout ça. Et donc, on va vous interpréter, Dinette.
1942, le poids de l'occupation se fait sentir. Alors, Django a été réquisitionné pour jouer en Allemagne. Alors, il n'a pas voulu. Il a voulu fuir en France, en Suisse, pardon. Mais il n'a pas reçu le droit d'asile, en fait. Il n'y avait pas d'asile à l'époque en Suisse. Donc, il revient à Paris et achète une boîte. Pas une boîte, un carton, une boîte à jazz, une boîte à Pigalle. Bon, il faut dire aussi qu'il est très célèbre. Donc, il est un peu même trop célèbre pour être véritablement inquiété. Mais il y a même eu une version, à un moment donné, d'Andromaque, parce qu'on dit plein de choses sur Django, mais ça, c'est la vérité. Il y a une version d'Andromaque, de Jean Marais, à l'époque, qui avait mis en scène Andromaque. C'est une pièce de théâtre de Racine. Et en fait, c'était une pièce un peu osée, apparemment, dans la mise en scène. Et la musique était faite de Django Reinhardt. Et donc, la presse collaborationniste de l'époque avait envoyé des vindictes en disant que la musique, ça n'allait pas du tout, que la pièce était un scandale. Et donc Django, quand il se passe ceci, il se dit « Bon, allez, hop, on s'en va. » Donc, il part se mettre au vert dans le sud de la France, toujours à Toulon. Alors, il part faire une tournée, voilà, avec ses amis, ses manouches et Grappelli, je crois. En 43, il se marie avec sa compagne, Nagin, à Salbris, où il y a un festival de jazz, d'ailleurs, aussi, en hommage à Django Reinhardt. C'est la semaine prochaine, je crois. Puis, il y a le débarquement américain. Et alors, d'après André Oder, qui était un écrivain, provoqua un journaliste une brutale prise de conscience pour les jazzmen, en fait. C'était un jazz qui arrivait, qu'on ne connaissait pas trop. Et Django, dans le Midi, lui, pendant ce temps-là, joua dans les hôpitaux, les camps militaires. Sa notoriété vraiment était au zénith. Il y a eu des concerts mémorables. Je n'ai pas parlé non plus de tous les boeufs qu'il y a eu, parce que là, on parle des enregistrements, ce qui nous reste. Mais Django vivait la nuit, il faisait des nuits blanches, il jouait tout le temps, tout le temps. Même quand on parlait, on va parler rapidement de la peinture, oui, c'est beau. Ouais, enfin, bref, il allait jouer de la guitare. Il jouait de la guitare tout le temps, et c'était son moyen de s'exprimer. Peut-être son bouquet lumière lui manquait aussi, on va le voir. Quelquefois. Et donc, en 46, privé d'occasion de jouer, Django découvre cette peinture. Et avec ses dernières ressources, puisqu'il n'a plus vraiment d'argent, parce qu'il faut dire que Django, quand il gagnait de l'argent, après, il le dépensait. Hein, je fais pour ça, on va dire. Et puis, avec ses derniers levés, il va s'acheter, en fait, une boîte de couleurs, des pinceaux, et il passe ses journées devant le chevalet. Il faut dire que son frère peint déjà à l'époque. Il y a aussi Émile Sévitry qui lui a fait découvrir la peinture. Et voilà. Et il part en fait toujours. Il ne veut plus jouer de guitare, il fait de la peinture. Mais en 1946, en fait, vers fin 1946, il refuse une tournée avec Jean Sablon. Mais décide de lâcher vraiment le pinceau pour la guitare, reprendre la guitare pour une tournée avec Duke Ellington. Et là, il part aux États-Unis. Je vais quand même vous montrer des photos de la peinture, des peintures de Django. C'est pas rien. Enfin, j'espère que vous voyez. En bas, c'est des baigneuses. Voilà, on va voir d'autres tout à l'heure. Voilà. Et puis après, donc, il part aux États-Unis pour une tournée à avec Duke Ellington. Et à peine arrivé sur le sol américain, il demande où est Dizzy Gillespie, où est Charlie Parker, où est Thelonious Monk. Donc tous ces gens-là, ils sont en Californie, ils sont en tournée, donc, et ils voient quand même Duke Ellington, avec qui il y a eu des photos de fête à cette occasion de sa tournée. Il a tourné dans pas mal de villes, à Chicago, à Saint-Louis, Détroit, Kansas City, Pittsburgh. Mais en fait, ça se passe pas très bien pour lui, parce qu'il joue 4 morceaux dans le show de Duke Ellington. 4 morceaux à la fin, il en joue 3 avec l'orchestre, où il est vraiment en avant, puis le dernier morceau tout seul. Mais c'est une discipline, etc. C'est un peu lourd pour lui. Même s'il adore Duke Ellington, il le respecte, il dit que c'est le plus grand musicien, il envoie une lettre dans son dialecte un peu mélangé, avec ses belles fautes d'orthographe, à Grappelli, pour lui dire que oui, il faut que tu viennes, tu vas voir Duke Ellington, c'est vraiment génial. Mais en fait, il s'ennuie un peu aux États-Unis, et puis voilà, il se remet en fait à peindre. Et il se remet tellement à peindre, faut pas que j'oublie que, par exemple, avant de se remettre à peindre, il y avait un grand concert au Carnegie Hall à New York,
Il y a eu deux soirées de prévues. La première soirée s'est bien passée, donc il a fait ses quatre morceaux. Donc ça a été très bien accueilli. Et puis le deuxième soir, il a oublié de venir. Enfin, il n'a pas oublié. Il s'est dit, mince, il était avec Marcel Cerdan, qu'il avait rencontré dans les rues de New York. Ah, mon frère! Et puis finalement, voilà, ils sont peut-être allés boire un coup. Et puis finalement, il s'est dit, oh mince, j'ai un concert avec Duke. Il faut que j'y aille. Et là, en fait, il arrivait très tard. Il n'avait pas de guitare, enfin, il a joué sur une espèce de clou, voilà. Et après, il s'est enfermé dans sa loge, donc on ne sait pas trop, par timidité, je pense aussi, il n'y a pas que moi qui le dis, mais bon, la presse l'a très mal pris, l'américaine. Donc, en fait, on a un petit peu, parce que lui, quand il arrive aux États-Unis, en France, il était reconnu, archi reconnu, adulé par tout le public, et quand il arrive à New York, il s'est dit, bah, là aussi, mais non. Donc, en fait, bon, il l'a mal senti, et puis finalement, voilà. Il y avait une tournée en Californie, peut-être de prévu, puis il en a marre. Il en a marre de ces États-Unis où c'est difficile. D'après Charles Delaunay, Django s'est fixé dans un hôtel près de Broadway, voilà, où son studio ne désemplissait pas d'amis, quand même, venus bavarder. Mais les Amériques étaient peu faites pour convenir au caractère indépendant du guitariste manouche. Django se plaignait également des femmes, dont il soulignait volontiers l'indifférence, ainsi que l'hypocrisie des mœurs américaines qui l'empêchent de fréquenter librement celles de son choix. Alors, il tourna la difficulté en invoquant la peinture comme prétexte, en invitant dans son studio des modèles. Et donc, il se met à peindre. Et il faut dire que Django, non, mais peignait, en fait, sans modèle. C'est vrai, c'est... On verra plus tard, au Bourget, là, quand il est au Bourget, il peint la nuit, et il peint des nus. Voilà, comme vous pouvez le voir, il peint des nus. Il peint des nus, des femmes nues, des gitanes nues, avec des couleurs très, très vives, très franches. On pourrait penser des fois même à... Enfin, on l'a comparé à Van Gogh, à Gauguin. C'est assez sauvage, primitif comme peinture, à la fois beau et un peu naïf peut-être. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Mais ça, c'est sans technique, sans rien. Il n'a jamais appris à peindre. Quand on lui demandait la peinture, oui, c'est beau. C'est dur à peindre ? Non, c'est dur de peindre ? Oh, bah, je vais essayer. Puis voilà, il a peint. Donc pour lui, c'était vraiment en fait, finalement un passe-temps, la peinture. Mais bon, il passait des heures, des nuits à peindre. Voilà, il ne jouait plus de guitare. Donc finalement, il revient à Paris et décline une petite tournée en Californie, comme je le disais. Et puis il est réengagé finalement en 1948 au Festival de Nice, Extrémiste, et en Belgique avec Rostin, et avec Lousson, son premier fils qu'il avait eu avec sa première femme, Lousson Reinhardt. Et en 1949, il part à Rome avec une tournée avec Grappelli. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ces sessions de Rome, comme on les appelle, le cœur y est plus, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je trouve que Django est toujours bien là. Il commence à mettre des accords un peu impossibles, là, très modernes toujours pour son époque. Et donc, il joue avec un pianiste, un batteur. Donc là, avec nos amis, avec mes amis, on va vous interpréter un morceau qui était enregistré à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il y avait à cette époque-là monsieur Charles Trenet, Ménilmontant. Thank you.
Voilà, on arrive presque au terme de cette conférence. On a laissé un peu de temps pour pouvoir parler, si vous le souhaitez, poser des questions. Je vais juste vous passer quelques d'autres peintures de Django et une petite anecdote. Django Reinhardt, si vous en croyez, Georges Patrix, donc quelqu'un qui faisait des critiques à l'époque, faisait partie de la bande de Jean-Paul Sartre. Vous peignez musicalement, mais dans quel ton préfériez-vous peindre? En fa dièse mineur. En fa dièse? Mais pourquoi dans ce ton-là plutôt qu'un autre? Parce que c'est plus mystérieux. Bon. Alors c'est vrai que les questions induisent un peu les réponses. À l'époque, c'était un peu ça. Et puis Django s'est mis à jouer sur un autre thème pour expliquer. Voilà. Bon, ça montre quand même simplement que l'homme avait de la répartie et vivait bien ce monde dégagé qui, pour lui, a été un choc, je pense, au tout départ. Donc en fait, la peinture, pour lui, apportait un dérivatif pour s'exprimer d'instinct, pour le plaisir, un passe-temps, ça, comme. Mais précisons aussi que Django n'était pas bavard et surtout pas sûr ce qu'il ne connaissait pas. Et même sur ce qu'il connaissait bien, des fois, comme la musique, Django venait écouter des disques chez Charles Delaunay, mais il n'a pas le souvenir qu'il ait mis une appréciation quelconque sur ses toiles. Il dira, ah, oui, c'est beau, comme je vous le disais tout à l'heure. On va vous interpréter encore deux morceaux. Et voilà, je ne sais pas si en définitive, si on désire en fait avoir un semblant de réponse sur Django Reinhardt et sa peinture. C'est dans son œuvre musicale qu'il faut regarder, surtout dans la deuxième partie, une période sombre, malgré certaines fulgurances, aux étranges chromatismes. Alors je vous invite à écouter Django, évidemment, dans toute cette période. Et Django possédait surtout l'inestimable don d'être indéfiniment disponible à l'émerveillement et à tout ce qui est pulsion de vie, de beauté, et il avait de plus cette naturelle façon amoureuse de faire la connaissance des choses. Je trouve ça magnifique. C'est Jean Giugno qui écrivait ça. Voilà, bon, on arrive au terme de sa carrière et de sa vie, parce qu'en 1953, Django est revenu sur le devant de la scène un petit peu avant, en 1951, ou en 1950, tous les boppers disaient « je ne vais pas pouvoir suivre ». Ça le mettait dans une... Donc pendant un an ou deux, on ne l'a pas vu. Et puis il est revenu, il a enregistré avec toute la crème parisienne de bop à l'époque, de bopper, de jeune bopper, du jeune loup. Et puis il compose des choses incroyables, comme Flèche d'or, qu'on va vous interpréter. Et je ne sais pas si on a le temps, le temps passe super vite. Mais je voulais vous interpréter Troublant Boléro, qui était quand même... voilà, on va faire ça, Troublant Boléro, sur les peintures de Django, pour le lyrisme, en fait, de... Troublant Boléro qui a été aussi mis en orchestre. Hein. Django, on fait vite, parce qu'il faut aller vite. Mais pour passer Django comme ça. Il a été mis en musique par des grands orchestres à l'époque. Et voilà, nous quatre, avec mes collègues et amis, nous allons vous interpréter Troublant Boléro de Django Reinhardt. Thank you.
La dernière partie de sa vie, il compose des choses comme Flèche d'or. Alors aujourd'hui, on l'a mis un petit peu au goût du jour et on vous le propose. Flèche d'or de Django Reinhardt. Thank you.
Merci. Alors, juste pour conclure, je conclurai ici avec Alain Antonietto. Aussi, en découvrant sa peinture, saisissons-nous enfin, au-delà du feu intérieur, que sa musique nous restitue pleinement. Et par-delà ses limitations picturales, ce que Django avait d'unique, c'est le pouvoir de quasi-magique d'apprivoiser la beauté sur toutes ses formes. Voilà. Je trouve ça aussi très proche. Je me sens très proche de ce que je pense aussi de Django. Voilà, je vous invite évidemment à écouter et à réécouter Django Reinhardt. Donc merci à Alain Antonietto. Son bouquin s'appelle Django Reinhardt, Rythme Futur, aux éditions Fayard. Patrick Williams, Django, collection Epalinos. Charles Delaunay, Django mon frère, édition Eric Losfield, mais là vous ne trouverez pas, ou très cher, en collection. Et voilà, moi je voudrais remercier Monsieur Django Reinhardt, qui note son nuage, contemple le monde, et le monde ne cesse de le regarder. Et beaucoup aujourd'hui, et c'est une preuve, vous vous intéressez à Django Reinhardt, il y a du monde ce soir. Donc merci à lui, c'est à cause de lui si on est là. Et voilà, et ce qui prouve bien, encore une fois, que Django Reinhardt est bien présent. Merci beaucoup, je remercie encore les gens qui nous ont accueillis ici pour cette conférence. Si vous avez des questions, maintenant on est là pour essayer de répondre. Merci. Pierre-Luc Martin à la guitare. Guillaume Robert à la contrebasse. Benoît Joss au violon. Et Dominique Carré, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup.